Ah, mais il y a vraiment un problème d'accélérateur alors. À l'attention de tous les passionnés de quad du monde entier, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Et quelqu'un sait comment recoller cette partie-là? Ça se décolle de plus en plus. Merci. Non, faut jamais dire merci trop tôt. Bah là, il clignote plus le petit truc, tu vois. Bon, voilà. Par contre, à l'arrière, ça marche, mais à l'avant, va falloir réinvestir dans des clignotants, je pense. Si celui-là, il est pas trop mal. Après, ils sont assez petits, je trouve, les clignotants. Ce bouton-là. Ils sont assez petits, les clignotants, et puis. Alors qu'à l'arrière, ils sont hyper gros, justement, mais à l'avant, ils sont tout petits. Et il y en a un qui marche pas, justement. Je sais pas s'il y a un problème de contact ou. Bon, il va falloir retrouver des clignotants. Bon, j'aimerais avoir de l'aide ou des renseignements justement sur quel potentiel problème. Ça peut être un problème d'arrivée d'essence, de ralenti, de sonde lambda, de bobine d'allumage un peu. C'est pas, je pense que c'est pas la batterie par contre hein, qui pose problème, mais
c'est même si des fois il a du mal à démarrer. Alors ça, c'est parce qu'à force de vouloir démarrer, ça use la batterie, effectivement, et elle se retrouve déchargée au bout d'un moment. Mais sinon, bon. Et puis le pull start, le recoil starter, là, t'appelles ça comme tu veux. Bah, je veux bien essayer de le démarrer, mais c'est. De toute façon, il démarre au bout d'un moment, mais il tourne pas longtemps, quoi. Il tourne jamais longtemps. Voilà, ça fait ça. Bon, voilà, là, il n'y a rien qui se passe. Mais bon, de toute façon. Voilà, et je sais pas trop ce que c'est. S'il y a, y a un certain temps, et justement, je vous l'avais montré sur mes vidéos, pendant un certain temps, on pensait que c'était ce petit boîtier-là, en fait, qui posait problème. Sans doute un problème de branchement, mais en fait, de la façon où il était positionné, ça tournait plus ou moins bien, en fait. Des fois, il tournait pas du tout régulier. Puis il suffisait d'y toucher un petit peu et il tournait beaucoup mieux. Voilà, donc je sais pas trop ce qui se passe, sachant que ce boîtier-là, apparemment, bah en fait c'est juste une connexion, c'est un gros branchement, mais c'est juste à l'intérieur, c'est juste 4 cosses. Hop, voilà, faudrait avoir 3 mains pour faire ça, de toute façon, voire 4 mains. Donc voilà, ça ressemble à ça, et puis de l'autre côté, il y a 4 cosses comme ça. Et normalement, ça arrive justement de l'autre côté. Ça arrive par là, là, sur la sonde lambda, au niveau du pot d'échappement. Alors, j'ai pas trop compris ce que c'est, mais apparemment, ça permettrait de, par rapport au gaz d'échappement, je sais plus, de calculer l'admission d'air, quoi, et d'essence, en gros, c'est ça, grossièrement. Vous irez chercher sur Wikipédia ce que c'est, parce que moi, c'est bon, j'en ai marre, et il n'y a pas ça sur les anciens modèles, normalement. Ça, c'est une invention qui a été créée pour faire chier le monde, donc c'est bon, là, j'en ai marre! Hop, voilà, du coup je sais plus du tout si je l'ai bien rebranché, mais c'est pas grave. Là voilà, ça c'est le pommeau de vitesse, sauf que là, au lieu d'avoir un pommeau bizarre en 1, 3, 5, 2, 4, R, t'as juste L, H, N, R. Donc L c'est vitesse lente, H c'est vitesse haute, le plus souvent on le met en H, N c'est le neutre, point mort tout simplement, et R c'est la marche arrière. Voilà. C'est le plus simple, quoi. Il n'y a pas plus simple comme boîte de vitesse. À la rigueur, non, il y a juste des boîtes de vitesse FNR, quoi. Marche avant, neutre, marche arrière. Et c'est tout, quoi. Il n'y a pas besoin de 5 ou 6 vitesses, quoi. De ce que j'ai compris, ça marche avec un système de variation continue. Donc, c'est ce qu'il y a de plus simple. Pourquoi on a été inventé des boîtes de vitesse cheloues, là, qui sont dures à maîtriser. Et puis le recoil starter ou lanceur à cordes, quoi, voilà. Ça, c'est essentiel sur un quad, je trouve. Ou même sur une moto ou sur n'importe quel type de véhicule, en fait, il faut avoir un démarrage manuel. Il n'y a rien de plus fiable, en fait. C'est ce qui est le plus fiable, c'est tout. Donc sur la plupart des. Bah, sur les quads, effectivement, il y a un recoil starter. Sur les motoneiges aussi, il y a un système de démarrage comme ça. Par contre, sur les motos, ils ont préféré mettre un kickstarter. Mais c'est le même principe, c'est tu fais tourner le moteur manuellement, quoi, et ça finit par démarrer, mais bon. Bon, c'est pas trop ce qu'il y a là, mais.
Voilà. L'autre fois, il y avait, je l'ai enlevé, mais l'autre fois, il y avait une branche là qui. Il y avait une branche qui était passée dessous comme ça en travers et qui frottait sur le cardan. Donc ça, je l'ai enlevé. Ouais, on sait jamais ce qu'on ramasse hein, en tout terrain. C'est des fois. Non, mais c'est pas du. Je fais que du chemin avec, de toute façon. Je fais pas n'importe quoi de franchissement et tout ça. Je fais que du chemin. Voilà. Donc voilà, là c'est une transmission par cardan. Il y a un arbre à l'arrière et il y en a aussi à l'avant. Je sais pas si on va le voir parce que c'est un 4 roues motrices. En gros, tu peux changer le mode. Donc c'est-à-dire que là c'est ce bouton-là. C'est ce bouton-là. Et donc si tu appuies là-dessus, tu passes en mode 4 roues motrices en fait. Voilà. Et puis si tu le relâches, ça repasse en mode 2 roues motrices. Et il y a un autre truc, mais ça, on s'en sert pas beaucoup. Ça serait pour bloquer le différentiel, justement. Parce que oui, il y a des différences. Il y a un différentiel là-dessus. Enfin, il y a même différentiel avant et différentiel arrière, en gros. Certainement hein, au centre, je sais plus, mais sur certaines voitures, tu as un différentiel central aussi. En gros, ça permet que les deux roues avant puissent tourner à des vitesses différentes, et pareil pour les deux roues arrière, ce qui permet de prendre des virages plus facilement et de braquer plus court aussi, du coup. Ouais. Et donc sur la plupart des quads, enfin ça dépend, t'as des quads avec des différentiels et d'autres où il n'y en a pas en fait. Sur certains quads, en fait, t'as l'essieu arrière, c'est une barre rigide, quoi. Il n'y a pas de différentiel et du coup, les deux roues tournent tout le temps à la même vitesse. Voilà. Puis là, t'as tout ce qu'il faut aussi. En gros, c'est tout ce qui est éclairage. En fait, sur la plupart des motos, d'ailleurs, c'est le même principe parce que c'est juste une moto à quatre roues, en fait. T'as tout ce qui est éclairage, clignotant et le klaxon de ce côté-là. Et par contre, le bouton de démarreur, il est de l'autre côté. Il est plus de ce côté-là. Mais là, par contre, ils ont mis tout sur le même commodo. Ils ont mis le bouton de démarreur ici aussi. Donc voilà. Et le coupe-circuit ici. Mais il n'y en a pas sur toutes les motos. Sur la mienne, il n'y en a pas. Mais en général, on s'en sert jamais. D'ailleurs, c'est des coups à se faire avoir parce qu'un jour, ils voulaient plus démarrer. Enfin, on savait pas trop ce qui se passe. Alors que c'était juste le bouton qui avait été appuyé là. Donc c'est là, quand il est enfoncé, ça veut dire que normalement, c'est en marche et ça peut démarrer. Voilà. Et puis ça, c'est le bouton du treuil parce qu'il y a un treuil à l'avant comme sur certains quads aussi. Donc voilà. Perso, on s'en sert pas tout le temps, mais bon. Le frein à main, artisanal, manuel, comme ça. C'est plus simple. Mais sinon, il a tout ce quad en fait. Bon, il y a aussi le. Normalement, il y a un porte-bagages à l'avant, mais là, on l'avait enlevé parce que. On avait dû faire plein de choses dessus, mais voilà, il est là dans tout ce bordel. Il y a un porte-bagages à l'avant et un à l'arrière aussi pour mettre un gros top case par-dessus comme ça ou sinon tu peux le laisser. Tu peux après ça c'est la galère à enlever. Il est fixé un peu bizarrement donc c'est la galère à enlever. Il y a plein de vis en fait à l'intérieur. C'est fixé avec des trucs en forme de U en fait. Donc du coup, je sais pas si on va le voir. Il y en a un là. C'est fixé avec des trucs en forme de U là qui passent en dessous du porte-bagages. Et les vis, elles sont à l'intérieur de ça, justement. Donc c'est la galère à enlever et à remettre. Donc voilà, il y est tout le temps dessus, de toute façon. Sinon, sur la plupart des quads, de toute façon, c'est comme les motos, c'est une option. Donc ça peut se rajouter. Mais il y en a qui mettent simplement un petit top case de moto. Il y en a qui mettent un gros truc comme ça dépend. Voilà.
Ouais, c'est écrit là 4x4 en dessous. Donc c'est quand même... Voilà, c'est quand même un quad pas mal équipé, quoi. Il a tout celui-là. Hein. Ouais. Limite, tu peux partir en vacances avec. Mais c'est vrai, tu peux faire les courses avec si tu veux, parce que t'as beaucoup plus de rangement que sur une moto, quoi. T'as les racks avant et arrière. Enfin, en anglais, on appelle ça des racks, mais en français, ça serait des porte-bagages ou des porte-paquets, ils appellent ça aussi. À l'avant et à l'arrière. Et là, c'est écrit, je crois, ça supporte 35 kilos à l'avant et 70 à l'arrière, un truc comme ça. Mais après, ça dépend des quads, effectivement. Des fois, c'est 40 et 80 aussi. Donc voilà, quoi, il y a de quoi. Il y a de quoi transporter pas mal de choses. Donc voilà. Mais celui-là, c'est un deux places châssis long aussi, ce qui fait que t'as de la place à deux, en fait. Hein, voilà. Parce que les quads, ils sont pas toujours deux places. Il en faudrait. Autant les motos, c'est 99% des motos qui ont deux places. Alors que sur les quads, c'est pas toujours le cas, c'est je dirais 50% peut-être. Mais voilà. Donc voilà, j'aurais besoin de votre aide parce que là je suis un peu en conflit familial hein, je suis en conflit avec mes parents parce qu'ils veulent acheter un je sais plus le tout nouveau CF moto ou je sais plus trop. Ça serait un, je crois, le CF520. Non, je sais même pas si c'est le CF520 en plus, parce que les nouveaux, c'est ça, t'as le 520, et puis je sais plus quoi d'autre. Qui fait en vrai que 500 cm3. Comme celui-là, c'est un 625, mais il fait 600 cm3. Alors pourquoi tu l'as pas appelé 600, tout simplement? Mais moi, ça me plaît pas, c'est tout. J'en veux pas de celui-là. Puis il y en a aucun qui est aussi bien équipé que celui-là, quoi, aussi, hein. C'est peut-être ça. Non, mais moi, je voulais à l'origine un Yamaha Big Bear des années 80, donc de 350 cm3. Et puis tout simple quoi. Ensuite, il y avait éventuellement le Kawasaki Bayou que j'aimais bien. Mais ça, je sais pas si... Ouais, c'est un peu plus dur à trouver, je pense. Après, des Big Bear, on en trouve un peu, mais c'est pas ce qu'on trouve le plus. C'est plus des... Des Grizzly 350 qui sont plus récents et les Bruin 350. En fait, le Bruin 350, c'est la même chose que le Grizzly. Je vois pas la différence d'ailleurs, mais pendant un certain temps, il s'appelait Bruin 350. Voilà. Moi, il me faudrait un, ouais, 250 ou 350 cc dans l'idéal, mais un truc, bah c'est que moi je veux du Yamaha forcément, mais après c'est que je vois difficilement d'autres modèles, moi, d'autres modèles intéressants. Moi. Pareil, ça fait 3-4 ans que je veux un Yamaha 350 à peu près, donc voilà quoi. Pour l'instant, j'ai tout fait pour retarder, voire empêcher la transaction, effectivement. Ouais, je suis comme ça, ouais. Donc, voilà, je sais pas quoi faire. Dites-moi ce que je peux faire, mais... Je sais pas quoi faire, je pense que...
Je vais partir dans la Lozère, mais sans le sou, par contre. Je pense que je vais faire ça parce que là. Mon projet, il va y avoir rien de ce que je voulais va être réalisé. De toute façon, je vais vivre dans une cabane en bois à l'état sauvage. De toute façon, il n'y a que ça qui réussit, il n'y a que ça qui résiste. Donc, bon. Je pense que là, c'est bon, j'ai assez donné. Je m'entraîne encore, je passe le permis moto cette année, normalement, et dès que je l'ai, je m'en vais parce que là, j'en peux plus. Donc voilà, si quelqu'un peut m'aider pour faire tourner ce quad correctement, ça serait bien, s'il vous plaît. Et puis, je le récupère et je le fais échanger contre un Grizzly 350. Je vais voir s'il y a les principaux clients. De toute façon, c'est les agriculteurs en général. Hein, donc, voir. De toute façon, les quads, c'est classé dans matériel agricole, j'ai l'impression. Et j'avais cru voir que les motoneiges aussi, c'était classé dans machines agricoles, apparemment. Je sais plus où, sur la page d'un concessionnaire, je crois, je sais plus si c'était le Rate du Cantal ou un concessionnaire de la Haute-Loire, je crois, hein, par là. Enfin, je sais plus, mais bon. De toute façon, avec mon caractère très anxiétif, c'est difficile de faire des recherches sur Google sur tout ce qui est véhicule et environnement et politique. C'est les thèmes à éviter, quoi. Donc moi, j'ai juste envie de me barrer avec mon quad et de me faire plaisir tranquille, c'est tout. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? J'ai juste envie de faire du quad, j'ai pas envie d'être emmerdé par des idiots qui n'y connaissent rien, quoi. Qui râlent juste parce qu'ils aiment pas ça, mais qui savent pas ce que c'est au fond le quad. Ils en ont jamais entendu parler, en fait, ils râlent par méconnaissance, quoi. Donc allez-y, tous ceux qui aiment les quads, manifestez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez. Hein. On est déjà 266 là sur la chaîne, donc franchement, ça fait plaisir. Et j'aimerais bien que sur ces 266, il y ait un peu de visibilité, un peu de reconnaissance. Voilà, s'il vous plaît. Et aidez-moi à résoudre ce conflit de famille. Non, ça a rien à faire sur ma chaîne, ça, les conflits de famille, pourtant. Mais juste parce que moi, je veux un Big Bear 350, c'est tout, merde! Et à ceux qui disent, oui, je veux tout, je veux ça, je veux ci, je veux celle-là aussi, ouais, bah, bien sûr, c'est le thème d'une de mes chansons qui est sortie il y a pas longtemps, mais qu'est-ce que j'ai à vous dire, moi? Moi, j'ai juste envie de. J'ai un projet, mais personne n'y croit, de toute façon. Ça sert à rien que je le dévoile, mon projet. Personne va le soutenir. Personne va le. Bon, ok, j'en parle. Bon, bah, je vais dans la Lozère et je vais créer un club de motoneige, mais entre nous, que ça reste discret pour pas qu'il y ait des plaintes. Voilà quoi, ça sera pour faire du quad et de la motoneige dans les chemins publics, bien sûr. Voilà, et ça sera un club pour tous les amateurs de véhicules motorisés, un club, une association, un truc comme ça. Je sais pas trop quoi, mais je sais pas trop en fait. Je suis parti de rien et j'arriverai à rien de toute façon, donc bon.
Il y en a plein qui ont réussi en partant de rien pourtant, mais la plupart, c'est ceux qui étaient déjà issus d'une famille riche. Et nous, on n'est pas riches, on a juste obtenu ce qu'on voulait parce qu'on a économisé, qu'on a fait attention à nos dépenses un peu, et que voilà, on dépense pas n'importe quoi, on dépense uniquement dans ce qui nous fait plaisir. Après, c'est un peu ça. Après, moi, j'ai une façon de vivre très américaine, j'ai l'impression. Bah, je sais pas, il y a que les Américains qui sont fans de quad et de motoneige, de toute façon, donc. Le seul que je connais qui a une collection aussi importante que celle que j'aimerais avoir, justement, il est américain, il habite dans le Vermont, si vous intéresse. Je vous passe sa chaîne, ça s'appelle Rocks Power Sports. Voilà. Et je suis abonné à lui depuis plus d'un an maintenant, je pense 1 an et demi, par là. Donc voilà, si vous avez des réponses, de l'aide, du soutien à m'apporter, parce que j'ai l'impression que j'en ai pas beaucoup. Et surtout, ma difficulté, c'est d'être né et d'habiter actuellement en Indre-et-Loire. Quand on veut être dans une région où il y a de la neige et un peu de montagne, comme la Lozère, je pense que c'est défini, ça sera la Lozère à mon avis. Personne dit que je suis capable de vivre tout seul, de toute façon. Mais je pense que il faut se lancer. Voilà, au bout d'un moment, il faut se lancer. Au lieu de faire ça progressivement, faut aller directement se barrer là où on veut. Par contre, faut trouver un abri, quoi. Faut trouver un abri, un logement. Ça peut être n'importe quoi, mais voilà. Enfin, non, ça peut pas être un appartement dans un gratte-ciel, par contre. Mais je pense qu'en Lozère, il y en a pas beaucoup des gratte-ciel. Par contre, oui, dans l'idéal, une petite maison avec dans la campagne, avec un peu de terrain, ça serait bien. Mais vu les prix de l'immobilier, je sais pas comment je vais faire non plus. Hein. Bon, voilà, je vous dévoilerai, je pense, prochainement ce que je pense que ça va ressembler. Mais à mon avis, ce qui va être encore plus difficile, notamment financièrement, c'est qu'il va falloir y avoir 2 adresses. Pourquoi? Bah, une adresse du club hein, qui va être publique et là où tout le monde va pouvoir me rencontrer. Et mon adresse personnelle privée, quoi, que j'ai pas envie de dévoiler parce que voilà, j'ai envie d'être tranquille chez moi. Et ça, je sais pas. Mais il y en a un, par contre, qui est un peu dans ce cas-là et que je connais, c'est la chaîne TCQR. Et pour le coup, TCQR, il est bien français. Il habite en Haute-Savoie. Ouais. Bah l'adresse du garage est trouvable sur Google de toute façon. Hein. C'est le garage TCQR qui se trouverait sur la commune de Publier dans la Haute-Savoie. Donc c'est juste en face du lac Léman, entre Évian et Thonon, quoi. Entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains. Mais c'est un peu plus près de Thonon, je crois. Donc voilà. Et oui, c'est dommage qu'on habite un peu loin. Enfin, c'est moins loin que Rocks Power Sports, c'est vrai, mais après TCQR, lui, il est habitué à faire beaucoup de routes parce qu'il est allé chercher des véhicules dans la Gironde, à l'opposé de chez lui, parce que lui, il habite à la frontière avec la Suisse, en fait, quasiment. Si tu traverses le lac Léman, t'es en Suisse, quoi. Si tu fais quelques kilomètres. Même par les terres, t'arrives vite en Suisse. Donc voilà. Son nom c'est Dave. Dave de TCQR, appelez-le Dave. Pour ceux qui connaissent, enfin, il est quand même assez connu, hein, il a plus de 300 000 abonnés. Ce qui est plus que Rocks Power Sports, puisque Rock Power Sports, il a monté maintenant, je crois qu'il a 19 000 abonnés par là. Mais quand je l'ai connu, je crois qu'il avait que 4 000 abonnés. Donc en 1 an et demi, il est passé de 4 000 abonnés à 19 000 abonnés. Moi, pendant la même période, je suis passé de 50 abonnés à plus de 250. Donc c'est pareil. Mais moi, je suis vraiment parti de rien pour le coup. Donc voilà, ça serait d'aller à la rencontre de ces gens-là. Ils ont l'air bien après.
J'ai toujours de l'appréhension, j'ai toujours peur de rencontrer du monde, hein, c'est toujours ça, hein, mais on va y travailler, on va essayer de d'aller voir les gens quand même. Et si récemment aussi TCQR, apparemment il avait été dans chez La Boiserie, je crois. Donc La Boiserie, c'est pareil, c'est une chaîne qui est très connue. Je crois qu'il a, je sais plus si c'est 1 million ou 2 millions d'abonnés, un truc comme ça. Moi, pour le coup, faudrait pas que j'aie 2 millions d'abonnés. Il faudrait que j'en aie au plus 50 000, ça serait bien. 50 000 abonnés, mais tout au plus. Ouais, tu vois, même TCQR, il a 300 000 abonnés, c'est beaucoup, je trouve. Parce qu'après, ça fait beaucoup de fans et ça fait justement beaucoup trop de fans. Faut que la communauté soit assez importante pour se faire entendre, mais pas trop non plus, en fait. Donc voilà. Donc La Boiserie, apparemment, il habite dans le Maine-et-Loire, de ce que j'en ai pu entendre. Donc pareil, TCQR, de la Haute-Savoie jusqu'au Maine-et-Loire, ça fait loin, quoi. Ça fait encore plus loin que chez moi, vu que moi j'habite en Indre-et-Loire. Pour le coup, j'habite pas loin de La Boiserie, du coup, et ça je le savais pas. Ouais. Voilà. Bon. Mais sinon, le problème c'est que tout le monde me dit effectivement, faut d'abord que j'aille localement, moi qui veux faire du travail localement, mais chez moi n'est pas ici, quoi. C'est ça le problème. Bon, en tout cas, TCQR, ça a l'air d'être un mec bien. Il est passionné par les véhicules insolites, mais bon, tout ce qui est quad, moto. Même les motoneiges, parce que apparemment j'ai jamais vu de motoneige sur sa chaîne, mais il disait dans une de ses vidéos qu'il avait acheté une motoneige, justement. Ouais. Mais qu'il l'a revendue il y a longtemps, par contre. Il l'a revendue il y a longtemps. Mais voilà, quoi, ça serait cool. Une première vidéo francophone sur les motoneiges, parce que si, y a des vidéos francophones, mais elles viennent toutes du Québec, quoi, ou du Canada francophone, en tout cas. Dans les stations de ski, apparemment, vers, je crois, les Saisies, la Toussuire, je sais, par là. Mais on va pas trop s'avancer parce que c'est très délicat et anxiogène, ce sujet-là, justement. Donc on va pas en parler, s'il vous plaît, merci. Moi, je veux juste avoir une motoneige dans mon coin et être le plus discret possible avec, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est aussi dans mes plans d'acheter une motoneige, mais c'est pas la priorité, on va dire, étant donné que... Voilà, quoi. Puis, aussi longtemps que j'habiterai en Indre-et-Loire, je sais pas si j'aurai une motoneige un jour, tu vois. Je le dis ça, mais je parle tout seul parce que personne croit à mes projets, en fait. Donc voilà, le projet principal de l'année 2024, déjà, ça va être le permis moto. Après, on verra. Mais j'espère me barrer au plus vite dans une région où il y a de la neige parce que là, ça commence à être n'importe quoi. Et après, la difficulté, c'est qu'il va falloir se faire accepter des voisins. Ça va être la galère. Alors qu'au contraire, en Indre-et-Loire, alors je touche du bois. Où est-ce qu'il y a du bois? Là, il y a un morceau de bois. Perso, en Indre-et-Loire, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais été embêté en touchant du bois. Voilà, on s'est toujours, on va dire, assez bien entendu avec les voisins. Et même dans les forêts et tout ça, je fais que du chemin public de toute façon. Mais j'ai jamais eu de problème en touchant du bois. Donc bon, ça m'a l'air pas trop mal. Il y a pas mal de chemins là où j'habite, il y a des chemins un peu partout dans tous les sens. Mais le problème, c'est que bah, je connais déjà tout, en fait. C'est ça le problème. C'est que je connais déjà quasiment tous les chemins et
Le seul moyen d'en découvrir, c'est d'aller toujours plus loin, et donc voilà. Alors, je suis déjà allé à l'époque où le quad fonctionnait bien, je suis déjà allé assez loin, je pense jusqu'à 25-30 km, je sais plus, pas plus, mais non, à vol d'oiseau, ça faisait 10 km, je pense, peut-être un peu plus, 10-15 km. Mais oui, par la route en tout, j'ai dû faire, je sais pas, 30, 40, 50 km. Ouais, peut-être 50 km en tout. Je sais pas trop, mais il m'est arrivé de faire des grandes balades, en tout cas, d'aller loin. Je peux pas dire où exactement, justement, parce que j'ai peur d'avoir des plaintes, justement. Mais voilà, je suis déjà allé assez loin avec. Pour l'instant, j'ai jamais eu de plainte. Et du moment où c'est un véhicule qui est immatriculé et que tu circules sur des voies, les chemins, c'est des voies publiques normalement, ça pose pas de soucis normalement. Mais bon, restons prudents quand même. Parce que ils trouveront toujours un moyen de te faire chier, ou ils trouveront toujours quelque chose à te reprocher alors que c'est pas vrai, quoi. C'est pas le cas. Donc soyons prudents. Et j'avais fait une liste de conseils, mais notamment c'était essayer de pas passer trop souvent au même endroit. Ou encore, si vous faites une rando à plusieurs, évitez d'être trop nombreux, quoi. Maximum 5 ou 6 ou 7 véhicules, c'est le grand max. Mais l'idéal reste quand même d'être à deux. Deux motos, deux quads, ou un quad et une moto, enfin voilà, faites ce que vous voulez. Le mieux, je pense que c'est d'être à deux ou trois ou quatre, puisque la plupart des véhicules sont biplaces, donc voilà. Et de pas passer trop souvent au même endroit, en fait. Ça, c'est un conseil que je me suis moi-même dit, c'est de ne pas passer deux fois dans la semaine au même endroit, en fait. C'est ce que je me dis. Bon, après, on verra si ça le fait. Perso, je leur dis, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de plainte, mais bon, on touche du bois, quoi. Allez-y, touchez du bois. De préférence du bois brut, c'est ce qui marche le mieux, apparemment. Et puis on se retrouve bientôt, la semaine prochaine, ou je ne sais pas quand. Non, là, c'est une vidéo qui va sortir le mardi 28 mai. Pourquoi le mardi? Parce que les deux samedis sont déjà pris avec des vidéos pas franchement intéressantes. Donc voilà. Ensuite, le samedi prochain, ça sera une musique qui sortira. Donc après, ça sera le samedi 8 juin. Et ça sera peut-être le samedi 8 juin où je vais expliquer mon projet et vous montrer les plans, parce que j'ai fait des plans. Donc voilà. Au revoir.
Ben voilà, je sais pas ce que j'ai autre chose à dire de toute façon, donc voilà, et qu'on se retrouve le 8 juin si vous voulez une vraie vidéo de moi, je pense. Ça sera le 8 juin. Voilà, je sais pas si vous m'entendez bien, mais... Allez, au revoir.